Bienvenue à tous dans À l'affiche, on danse aujourd'hui. 5, 6, 7, 8. On danse avec le flamenco, mais aussi le hip-hop et la danse africaine. Ce mélange multiculturel est mis en scène au Théâtre National de Chaillot, à Paris. Il rencontre déjà un beau succès auprès du public. La pièce s'intitule Iolé. Elle est chorégraphiée par le directeur de la danse du Théâtre National de Chaillot. Mon invité, c'est José Montalvo. Bonjour José Montalvo. Bonjour. Et bienvenue, on parle de votre nouvelle pièce Iolé. Je crois que c'est un cri d'encouragement, c'est ça? Oui, c'est un cri d'encouragement quand les danseurs tentent de trouver un moment de dépassement d'eux-mêmes, quelque chose qui touche au dépassement de notre condition à travers la danse. Ceux qui regardent pour le féliciter disent Iolé. Ah voilà, Iolé, il faut savoir donner l'intonation. Alors dans la première partie du spectacle, de ce Iolé, ce sont les femmes qui mènent la danse. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, avec notamment les danseuses de flamenco, les danseurs, les danseuses de flamenco, racontez-nous. Oui, dans le flamenco, il y a un rythme tellurique, un peu comme dans le Sacre du printemps, puisque la première partie, c'est une vision métisse, c'est-à-dire qui intègre à l'intérieur d'un ballet des pratiques corporelles différentes. C'est le Sacre du printemps au départ est un mythe tel que l'a écrit conçu Stravinsky. C'était un mythe païen où une jeune femme est sacrifiée pour que le printemps devienne un petit peu plus fécond. Ici, il n'y a pas de sacrifice, pas de vieux libidineux qui regarde une jeune femme danser à mort, mais une célébration, j'ai voulu une célébration d'une femme qui soit émancipée, autonome, libre et qui crie encore. Alors, on va y revenir en détail là-dessus. On s'arrête un instant sur ces danseuses de flamenco, si vous voulez bien. Vous êtes allé les chercher à Séville, à Cordoue. Oui, j'ai eu la chance d'être secondée par Rafaela Carrasco, qui est une très, très grande chorégraphe de flamenco. Et je lui ai demandé, voilà, je voulais rendre un hommage indirect à mon père et à ma mère, qui est danseuse de flamenco. Et je souhaitais, évidemment, des danseurs d'excellence pour pouvoir se confronter au rythme époustouflant que le Sacre du printemps de Stravinsky dans la première partie. Et elle m'a aidé à créer une audition en Espagne où j'ai eu la chance de rencontrer des petites perles exceptionnelles. Alors, si vous voulez découvrir ces petites perles exceptionnelles, c'est actuellement au Théâtre de Chaillot, le Sacre du printemps de Stravinsky mélangé au flamenco, au hip-hop et à la danse africaine. Découvrons un extrait de Iolé. Image des répétitions du spectacle, évidemment. J'imagine que ça a été un défi pour vous, José Montalvo, de chorégraphier et de mettre en scène ce Sacre du printemps. Qu'est-ce que vous aimez dans ce monument de Stravinsky? Alors, c'est effectivement un monument musical. Et je souhaitais, dans cette pièce, confronter une œuvre majeure et une œuvre auquel, tôt ou tard, il me semble que tous les chorégraphes s'y sont confrontés. Je crois qu'il y a 500 versions du Sacre du printemps en tout. Toutes n'ont pas marqué l'histoire de la danse. Et je souhaitais m'y confronter à mon tour. Certains s'y sont confrontés très jeunes, d'autres très, très âgés. Voilà, je me trouvais au milieu du guet. Je me suis dit, c'est le moment. Et je voulais tenter une lecture personnelle, singulière, qui soit métisse et qui retourne le vieux mythe païen du Sacre. Voilà, en 102 ans. Et tout ça pour rendre hommage aussi à la musique qui est quand même époustouflante, exceptionnelle, qui est étonnante de Stravinsky et qui, musicalement, est extrêmement complexe. Une musique qui a 102 ans. La version originale, moi j'ai lu qu'elle avait été adaptée plus de 250 fois. Vous dites 500, c'est certainement exact. Les plus célèbres, Maurice Béjart, Pina Bausch. Oui. Mais dans votre version, alors l'élu, qui doit être sacrifiée par de vieux sages, devient une femme heureuse, une femme épanouie, qui dit encore. Oui. Pourquoi ce retournement ?
Parce que d'abord, je n'ai aucun goût du désastre, de la catastrophe et du sacrifice. Donc, je souhaitais essayer de rendre hommage à cette musique dans ce qu'elle a de vitalité, de vie, de palpitation directement physique qui parle au corps. Et pour moi, la vie, elle ne se célèbre pas par un sacrifice. Elle se célèbre par la jubilation, la jouissance, le plaisir. Et donc j'ai imaginé une femme heureuse qui émancipée, qui assume ses désirs et qui célèbre cette palpitation rythmique à travers son désir de vie. Et l'Espagne, on la retrouve dans la deuxième partie du spectacle avec les castagnettes et les fêtes populaires de votre enfance cette fois-ci. Oui, alors la deuxième partie, et c'est un peu la composition de la pièce. La première partie, c'est ce qu'on appelle une œuvre majeure, et l'autre, ce sont des pièces populaires. On appelle ça musique mineure, mais certains spécialistes flamenco s'insurgent contre ça, mais quand même, on ne peut pas comparer. Et j'ai choisi tout simplement des chansons populaires que chantaient mes parents, qui étaient des immigrés espagnols dans le sud de la France, ou pendant la fête des vendanges, parfois des fêtes de printemps, près de Carcassonne, rassemblaient des amis. Certains venaient d'Italie, d'autres étaient des Français autochtones qui habitaient là, et aussi beaucoup d'Espagnols qui étaient réfugiés de la période franquiste, et dont mon père et mes parents, et qui se rassemblaient. Chacun devenait un peu le virtuose d'un instant. Et j'ai choisi les chansons que chantaient mes parents et leurs amis à ce moment-là. Donc c'est vraiment, il y a un clin d'œil à certains standards américains, parce que ils venaient un peu en boucle, et aussi des chants qui sont des chants populaires, vraiment pour moi extrêmement qui résonnent avec ce moment de l'enfance où, malgré les difficultés économiques qu'ils pouvaient avoir, c'était des moments de bonheur absolu, et j'ai pris part à ces fêtes et je voulais rendre un hommage à mes parents à travers ça. Ce qui caractérise aussi vos chorégraphies, ce sont les vidéos en arrière-plan, derrière les danseurs. Vous avez été un des pionniers de cet outil dès les années 80. C'est une forme d'esthétisme pour vous ? Ça ajoute à la danse ou... Pour moi, c'était une façon de me dire l'image technologique envahit tout, et parfois au détriment du spectacle vivant, mettons-la au service du spectacle vivant. C'est aussi une fascination pour le cinéma, parce que ma mère était passionnée de comédie musicale et elle m'a menée en boucle voir des films où je me suis endormi, réveillé, re-endormi, réveillé en regardant des comédies musicales que j'ai certainement associées aussi à la danse. Et c'est une façon aussi de pouvoir avoir des décors exceptionnels avec peu de moyens. Parce qu'on peut faire rentrer ce que l'on veut, des éléphants, des châteaux, comme on veut. Dans cette pièce-là, elle est présente comme un décor, où dans le sacre, c'est un arbre à l'envers qui fleurit très, très, très lentement. Et de l'autre côté, c'est simplement des barques et une mer, la mer Méditerranée, qui est un creuset, évidemment, de mélange, de métissage. Donc, elle est beaucoup plus sobre. Mais c'est vrai que ça fait de nombreuses années que j'ai travaillé avec l'image technologique. Ceci dit, depuis le début de la découverte du cinéma, déjà les dadaïstes mettaient de l'image technologique dans leurs spectacles. Donc au début du siècle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la façon de le faire qui devient nouvelle, ou qui est décalée, ou qui est singulière. Et cette barque en bois dont vous parliez, qui accueille tous les danseurs, est-ce celle des réfugiés qui abordent les côtes européennes, ou celle qui fait passer vers l'autre rive, vers la mort ? Quelle est la signification pour vous ? Il y avait cette barque, pour moi, elle avait plusieurs sens. Elle est un peu polyphonique. C'est un peu la traversée, celle qui nous fait passer à l'autre rive, à la mort, mais aussi celle des réfugiés. Et il y avait une chanson qui revenait toujours un peu en boucle quand j'étais enfant. C'était El Immigrante. Yo soy un pobre migrante que viene de tierra extraña. Et cette chanson, El Immigrante, il se trouve qu'aujourd'hui, elle résonne avec l'actualité d'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais avec un peu de vertige, s'il y avait eu toute l'indifférence et toute la violence qui est actuellement
vis-à-vis de ce qui se passe à la en Méditerranée, quand mes parents sont arrivés, quand ces vagues de réfugiés espagnols, italiens, polonais, qui venaient un peu de partout, sont arrivées, qu'est-ce qui se serait passé? Et surtout, je trouve que c'est insupportable d'être insensible à l'horreur qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. Mais en fait, c'est venu presque de façon... Quand j'ai repris cette chanson, il m'est apparu qu'elle avait une résonance directe, que ce qui était dans les barques aujourd'hui, ce n'était plus nous, si je puis dire, mais que c'était d'autres personnes mais qui ont les mêmes rêves, les mêmes espoirs que nous, la même humanité que nous, et que c'est atroce d'être indifférent et insensible. Et pour ça, l'Europe, je trouve qu'elle a une énorme part de responsabilité là-dessus. Je sais pas, c'est quand même inacceptable. Une dénonciation donc qui passe aussi par l'art et par la danse et par l'évocation des souvenirs. Yolé, c'est énergique, émouvant et réussi. Allez-y jusqu'au 3 juillet donc au Théâtre National de Chaillot à Paris. Merci beaucoup José Montalvo d'avoir été notre invité. Merci infiniment. Merci à tous de votre fidélité. À l'affiche, vous le savez, c'est aussi sur internet www.france24.com. On termine avec un rendez-vous. Je pense que vous connaissez à ne pas manquer qui se profile. C'est le festival Arte Flamenco du 6 au 11 juillet à Mont-de-Marsan. En ouverture, le 6, le spectacle de la Sévillane Maria Pagès, yo Carmen, parce que nous sommes toutes des Carmen. Voilà, c'est dit.